T'es occupé ? De toute façon, ça vaut pas le film. Certains lieux possèdent une étrangeté. C'est assez difficile de mettre le doigt dessus, surtout quand on a l'impression trompeuse de les connaître. Et en préparant cette verre en Suisse, je vais pas vous mentir, mon premier réflexe a été de me dire que la Suisse de cinéma, là-bas j'y connaissais quasiment rien. Alors, de tête, voyons voir. Des James Bond tournés sur place? Chaplin? Tiens, Chaplin, ouais, il a fini sa vie. Bon, bien sûr, le réalisateur RSC le plus célèbre au monde est quand même franco-suisse, hein, on va pas l'oublier. Jean-Luc Bideau et Vincent Pérez sont suisses aussi, il me semble. Le bonsoir chez vous. Et... bon, bref, vous voyez l'idée, je séchais assez vite. Toutefois, ce à quoi je ne m'attendais pas en préparant ce périple, c'est que ce regard d'outsider allait précisément devenir notre point de départ. Cette sensation d'un pays insaisissable qui excite l'imagination des cinéastes. Cette sensation que derrière cette apparence de carte postale, il y a forcément quelque chose qui... sommeille sous la surface. Eh bien, arpentons. Mon cher Alt, merci à toi de te joindre à nous pour cette virée en Suisse. Lui, c'est Alt236. Fasciné par les univers sombres, il nous plonge autant dans certaines mythologies modernes qui ont pénétré la pop culture, que dans le vertige de la création au sens large. Ouais, merci à vous, je suis trop content. Tu es un explorateur de l'imaginaire, est-ce qu'on peut le décrire comme ça? J'adore l'idée, ça me va très bien. Ça tombe bien parce qu'en fait, en allant voir des lieux de tournage en Suisse, l'idée ça va être de voir en quoi des paysages qui sont beaux et a priori innocents, triturés par l'imaginaire, peuvent avoir l'air aussi facilement anxiogènes que finalement apaisant. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Est-ce que, si je te dis cinéma et Suisse, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Eh bien, curieusement, et j'ai un peu honte, j'ai pas forcément de film qui me saute au visage, mais justement, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'un réalisateur est capable de projeter justement son imaginaire, son écriture dans un tel lieu, et de le transformer, de changer l'image d'Épinal qu'on en a un petit peu. Donc je suis très curieux de voir ce qu'on va découvrir. Du coup, c'est particulièrement intéressant en Suisse, vu que c'est un pays qu'on a l'impression de connaître, mais finalement, pas tant que ça. En plus, un de tes artistes préférés est suisse. Et ouais, Giger vient de Suisse, il vient de Gruyère très précisément. Et comment quelqu'un qui a vécu dans un endroit aussi magnifique a pu faire des choses aussi sombres et ténébreuses? Peut-être que ça participe aussi à ce processus. On va partir en exploration. Allons-y. Let's go. Quand on s'apprête à explorer la Suisse, il faut commencer par se frotter les yeux et apprivoiser une géographie complexe. Celle de Stéphane Escher, qui a pratiqué tout le territoire en roulé boulé. Mais aussi et surtout, la géographie des cantons. 26 cantons qui sont les états fédérés de la Confédération Suisse, un pays divisé en trois grandes parties. La Suisse alémanique, la Suisse italienne et bien sûr, la plus proche de nous, la Suisse romande, celle où l'on parle français. Je dis, j'ai un trou de mémoire, vous pouvez me dire le titre de votre plus grand film? Un pays complexe, cinéma complexe forcément. Et bon, je vous ferai bien une analyse socioculturelle bien vénère du cinéma suisse en 1h23 à des brouettes, hein, ses comédies, ses drames, sa culture très forte du documentaire, ou même sa propre nouvelle vague, impulsée par un collectif de cinéastes genevois dans les années 60. Sauf que, je suis loin d'être le mieux placé, déjà. Sorry. Et que l'idée ici, c'est avant tout de retrouver des lieux de tournage de films qui nous ont marqués. C'est une balade dans l'imaginaire. Parce que oui, passé le premier réflexe bredouille, les souvenirs s'activent. Et des films internationaux qui mettent en scène la Suisse, il y en a bien entendu un bon paquet. Beg your pardon, forgot to knock. C'est là qu'on en revient au regard d'outsider. Celui des cinéastes extérieurs, qui vont parfois réinventer ce territoire, ou au contraire, en alimenter certains clichés. Parce que la Suisse, je vous cache pas qu'elle a tendance à être très souvent fantasmée. Attends, le plat pays c'est quoi? C'est la Belgique? Ouais. On coupe. On arrête tout. Alors, il faut savoir que pas mal de films qui se déroulent en Suisse ne vont pas forcément tourner sur place. Ouais, ça coûte cher de déplacer toute une équipe de production.
Donc historiquement, ça a donné un certain nombre de films qui donnent dans la Suisse de carton-pâte. Bon, cela dit, certains s'en sortent plutôt pas mal. Les parties de La mémoire dans la peau qui se passent à Zurich, par exemple, bah, c'est pas Zurich, c'est Prague, et on y voit que du feu. Faut croire que les architectures sont cousines. Pareil pour A Cure for Life de Gore Verbinski, un beau film fantastique, qui est parfois borderline grotesque mais assez sous-estimé, qui est censé se passer dans un centre thermal en Suisse alémanique, mais qui a été tourné quasi intégralement en Allemagne. Sauf ce plan, ça c'est vraiment le viaduc de Landwasser dans le canton des Grisons. Et franchement, ça valait le coup d'aller sur place parce que ce plan déchire. Aussi, tenez-vous bien, la Suisse a même servi de référence pour des univers de science-fiction, comme avec Star Wars 3, par exemple, qui a utilisé les montagnes qui entourent la commune de Grindelwald, dans le canton de Berne, pour construire le monde d'Alderaan à la toute fin du film. Ouais, ça, c'est la Suisse. Alors, les films trichent, rien de nouveau au soleil. Ah, attends, ce grand escalier là, il est pas ici, ça s'est tourné ailleurs. Là, par exemple, on se trouve au musée Rydberg de Zurich, qui incarne un pensionnat dans Phenomena de Dario Argento. Un film fantastique de 1985 qui raconte comment une fillette, incarnée par Jennifer Connelly, va utiliser ses pouvoirs psychiques pour débusquer un serial killer. Du pur Argento, quoi. Dans une architecture aussi cossue, en fait, il y a aussi cette idée d'un autre monde, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui vraiment. Ouais, on voit un message en fait subliminal au spectateur de dire tu n'appartiens pas à ce monde et il s'y passe des choses que tu fantasmes aussi. Mais c'est intéressant parce que ça t'est pas dit clairement, mais tu le ressens quand même. On se faisait une joie de découvrir les recoins beaux et malaisants du pensionnat. Sauf que cette façade iconique est la seule chose du film qu'on retrouvera sur place. Tous les intérieurs, et même les scènes sur le toit ou les flancs du bâtiment, elles ont été tournées ailleurs. Pour avoir des lieux qui correspondent mieux au script, pour des raisons de sécurité, allez savoir. Résultat, le pensionnat du film est un vrai patchwork imaginaire. Le cinéma n'est que mensonge. Pas étonnant du coup qu'Argento fasse en sorte qu'on voit très peu à travers les fenêtres. Il nous laisse remplir le hors-champ nous-mêmes. Et dans le film, l'illusion est parfaite, parce qu'en tant que spectateur, bah, on se pose simplement pas la question. C'est grosso modo l'intérieur cossu auquel on s'attend dans ce type de bicoque. Et l'illusion, ça fonctionne avant tout sur l'association d'idées. Généralement, quand un lieu comme ça est complètement reconstruit dans les films, tu sens des sortes de bouts d'ellipse entre les différentes parties qui n'ont pas été tournées au même endroit. Ouais, à côté là, c'est un peu patchwork, c'est et là c'est très fluide. Ouais. Là c'est d'une fluidité exemplaire. Ouais. Tellement en fait qu'on a littéralement halluciné à chaque fausse piste. Mais du coup cette scène elle n'est pas ici. Celle-là je pense pas non. Et j'ai bien peur que ce soit pas ici non plus. Ouais, c'est pas ici. Non, ça c'est pas ici. Ah putain c'est génial. Bah, c'est vrai que c'est un mensonge généralement lié à des considérations ultra techniques. Ouais c'est ça. Ouais. Genre j'ai pas assez de recul pour... Ouais, il manque un mètre. On peut enlever la statue là. Ah non non. Bon ok. Bon, alors, ben, on va aller tourner dans une autre ville. Hein. C'est ça. C'était comme découvrir un monde parallèle. Comme si par rapport aux intérieurs baroques du film, l'espace était soudainement devenu étriqué, comprimé. Alors que pourtant, l'intérieur du musée a aussi de la gueule. Comme quoi, on a toujours tendance à amplifier ce qu'on ne voit pas. Mais ça paraît maintenant plus petit que ce qu'on imagine être du pensionnat, quoi. Comme si on avait rêvé Phenomena. Et d'ailleurs, si vous partez un jour vous-même à la chasse au lieu de tournage, sachez qu'il y a beaucoup de fausses infos sur internet les concernant. Le fait de se faire berner d'aussi belle façon, passer la déception en fait, tu fais ok, et ça te repousse ton enquête encore plus loin, maintenant t'as envie de savoir, une magie qui apparaît quoi en fait. Ouais. Et à ce niveau, le deuxième Sherlock Holmes de Guy Ritchie a été un sacré petit casse-tête. Un film dont le climax avec Moriarty se passe aux fameuses chutes suisses de Reichenbach. Sauf que tout ça, c'est intégralement numérique, sans surprise. Et tout ça, bah c'est tourné en studio. Même la locomotive Tiggerly qui fend les paysages suisses enneigés, elle est numérique. Sauf qu'étrangement, beaucoup de sources sur internet continuent à indiquer qu'une partie du film a pourtant été tournée dans les alentours de la commune de Triengen, dans le canton de Lucerne. Perso, je vois pas trop laquelle, du coup. Peut-être de simples plans de référence pour les paysages, ou peut-être un simple coup de bluff pour attirer du tourisme. Je sais pas. No pressure. Mais du coup, tout ça laisse pas mal de place pour l'exploration et l'enquête sur place. Et franchement, bah c'est pas plus mal. Mais je trouve qu'il y a autant d'informations finalement à pas trouver ce que tu cherches qu'à le trouver. Concernant les films réellement tournés en Suisse, je vais bien sûr pas en lister l'intégralité, ça n'aurait strictement aucun intérêt. À part peut-être de constater avec surprise que l'industrie bollywoodienne y a énormément posé ses caméras depuis les années 60, en jouant à fond le cliché Milka fondue et piste de ski,
ça, généralement, en faisant des recherches, on s'y attend pas trop. Mais au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que ce qui traverse beaucoup de films, locaux ou internationaux, c'est l'idée d'une Suisse qui a l'air douce et tranquillement majestueuse, qui est souvent filmée de manière assez classique pour laisser sa beauté naturelle faire le boulot. Sauf dans le cas de films visuellement plus expérimentaux, bien sûr, qui n'en ont pas grand-chose à faire de la toute-suissance, ça évoque un parfum plutôt romantique et apaisé. Avec ses montagnes, les vaches, le chocolat, les chalets, une espèce de calme comme ça. La bonne carte postale qu'on a tous en tête. Et bon, je précise, quand je parle de carte postale, j'imagine que ça peut sembler un peu négatif. Mais c'est pas forcément le cas. Déjà, au fil de nos heures de route, eh ben, niveau paysage, elle s'avère assez réaliste, finalement, cette carte. Et ensuite, l'idée d'une carte postale, bah, c'est pas forcément superficiel. Tout dépend de ce que raconte le film, en fait. Dans Youth de Paolo Sorrentino, par exemple, qui raconte comment un chef d'orchestre et un cinéaste se mettent au vert dans les Alpes suisses, les paysages idéalisés deviennent un canevas vierge, immuable, qui contraste cruellement avec le vieillissement des personnages et leur peur de la mort. Donc oui, ça a du sens. Et pour la petite histoire, l'un des deux hôtels où ils ont tourné, dans le canton du Grison, il s'appelle Waldhaus Flim. Flim ! Ce Flim n'est pas un Flim sur le cyclisme. Merci de votre compréhension, votre compréhension, votre compréhension, votre compréhension. Et soudain, le grain de sable surgit. Le fait est, je sais pas si c'est l'histoire du pays, ces grands espaces peu peuplés ou ces bleds qui ont des noms de seigneurs de guerre orques. C'est pas humain d'avoir des noms comme ça. Mais la Suisse a cette image de pays à part, à la culture complexe, un pays presque hors du temps, qui semble à la fois unique et mal connu. Ce mot revient, mais insulaire, qu'on applique aux îles, mais je l'ai ressenti plein de fois ici, quoi. Quand t'es dans une vallée avec des montagnes de centaines de mètres qui t'entourent, bah quelque part t'es sur une île de terre. Ajouter à ça une grosse dose de folklore et de légende, dont le potentiel a, hélas, été assez peu exploité au cinéma. Mais... Et tout ça fait que la Suisse, elle joue finalement très peu autre chose que... Eh ben, la Suisse. Bon, comme grosse exception à ça, parce qu'il en faut, on a le barrage de Contra. Barrage de Contra qui se trouve dans le canton du Tessin, et qu'on retrouve au début de GoldenEye, quand la doublure de Pierce Brosnan est censée infiltrer une base en URSS. Il y a quelque chose qui te dépasse, qui est hors de l'humain en fait, ce barrage qui est 200 mètres de hauteur, et pour moi ça ne devrait pas exister, quoi. C'est quelque chose de l'ordre du colossal, en fait. Et bon, là, faut avouer qu'on a affaire à une architecture vraiment particulière, qui ne hurle pas la Suisse, et qui est donc plutôt facile à réinventer, et à rendre impressionnante. Ah, vraiment, avec un lieu pareil, pas besoin d'en faire des caisses niveau cadrage tarabiscoté. Le vertige se crée de lui-même. Et comme on n'est pas dans une séquence de tension immersive à la Mission Impossible 4, mais plutôt dans une séquence d'intro d'un nouveau Bond, dont on n'a pas encore vu le visage, d'ailleurs, ce qui fait qu'il faut happer le spectateur à la volée par tous les moyens, le film choisit bien sûr de montrer les muscles. Quelques plans aériens pour établir la hauteur démentielle du lieu, quelques plans grues qui en jettent, et le tour est joué. Concis, efficace. Et du coup, quitte à être sur place... Bon du coup Vince, c'est toi qui vas faire le saut? Heureux? Ouais. Ça fait un moment que je voulais faire un saut et... Déjà? Sauter à l'élastique ou pas? Non, jamais, jamais. Mais revenons au grain de sable. Forcément, avec Alt, vu notre penchant pour les univers sombres, c'est l'envers de la carte postale qui nous a titillé. Et le premier pas dans cette direction a été fait avec Phenomena de Dario Argento. On y revient. Dans l'introduction du film, une jeune fille perdue va aller chercher de l'aide dans une bicoque isolée, où elle se fera prendre en chasse par le mystérieux tueur. Et en retrouvant cette maison dans le canton d'Appenzell, forcément, on s'est demandé pourquoi l'avoir choisi elle. Non mais je pense qu'effectivement, il y a un côté cabin in the woods, pour le coup, qui marche bien. Je ne sais même pas si c'est fait exprès, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant entre la plaine, donc la connaissance de ce qu'il y a autour de toi, et qui a l'orée de la forêt. Et la forêt est clairement symbolique des ténèbres, en fait, qui peuvent se trouver derrière, mais c'est vraiment la maison qui est à l'orée des ténèbres, quoi. Elle est à la limite.
C'est marrant, on descendait le long du chemin et à mesure qu'on descendait, ça créait cet effet. Je sais pas si c'est parce qu'on projette ce qu'on a vu du film dessus, mais ça faisait son petit effet d'angoisse quand même. Et c'est vrai que le relief est un peu particulier parce que tu dois descendre pour y aller avec ce petit chemin, mais la cabane te surplombe quand même. C'est ça. Donc il y a un côté qui reste menaçant, qui te regarde un petit peu de haut, donc tu descends en fait limite en enfer, ouais. Et le truc te domine quoi qu'il arrive. C'est ça. Sans payer de mine au premier abord, cette maison s'avère donc parfaite pour distiller une angoisse subtile. Et du coup, Argento n'a plus qu'à la filmer très littéralement, sans tricher. Tout juste en soulignant le malaise avec une photo froide et bleutée. Tout juste en soulignant l'étrangeté qui se trouve déjà sur place. Où qu'on la mette, la caméra se retrouve soit écrasée, soit surplombante. Victime ou bourreau. En horreur, on va très vite aller vers des lieux qui sont directement inquiétants. Mais c'est beaucoup plus dur de réussir à créer cette espèce d'entre-deux où c'est beau et petit à petit ça devient de plus en plus inquiétant. Mais c'est une grammaire très fine en fait, et je trouve qu'il arrive à nous faire glisser à travers elle dans cette folie. Et c'est quand même à cet endroit où il y a un petit easter egg assez intéressant, c'est qu'il y a le personnage du policier dans le film qui du coup vient voir l'agent immobilier et sort sa carte. Canton Polizei. Et on voit qu'il s'appelle Rudolf Geiger et que c'est probablement un hommage à Hans Rudi Giger qui est du coup artiste suisse. Et je pense que Argento, qui aime beaucoup cacher des petites choses dans ses films, a voulu faire une petite référence à un artiste qui, à mon avis, devait lui parler dans ses thématiques. Ça fait vraiment partie de ces lieux de tournage où on a l'impression de mettre directement les pieds dans la scène. Et à partir de là... Les virées, c'est beaucoup de trajets d'un lieu à un autre. La découverte de la douce banalité des paysages qui défilent, qui se transforment en un flou entêtant. Au fil des kilomètres, un engourdissement ouaté finit par s'emparer de nous. La perception se brouille, et c'est dans cet état presque second que quelque chose d'autre apparaît. Ces paysages, trop sages pour être inoffensifs. Une fascination, comme face à un sourire figé, ou des yeux qui ne clignent pas. Tu vois, en conduisant, il y avait des moments où on voyait pas le ciel, en fait. Tellement les murailles de forêt ou de montagne nous obstruaient la vue. Les moments où il y a une espèce d'immensité qui me met un vertige un peu cosmique. Ça m'a oppressé, et en même temps, puisque c'est ce que je recherche aujourd'hui, j'ai adoré en fait. C'est très ambivalent ce côté attraction-répulsion en fait. Ce n'est pas un hasard si la plupart des films qui montrent la nature suisse possèdent une sorte d'étrangeté statique. Comme s'ils étaient à l'écoute, comme s'ils attendaient que l'insolite surgisse de lui-même, qu'un petit détail fasse tout chanceler. Toute la semaine, on a eu des montagnes qui ont tutoyé les nuages, et en fait, il y a cette sensation assez étrange, tu vois, moi j'ai beaucoup le vertige, et il y a cette sensation étrange quand t'es au pied d'une montagne d'avoir l'impression, en regardant vers le ciel, que tu perds ton équilibre. Et c'est très étrange d'être au sol et d'avoir pourtant cette sensation d'immensité, anormale, puisque logiquement tu l'as quand tu regardes vers le bas, mais là moi j'ai vraiment senti ça. Et c'est, il y a un côté très écrasant, magnifique, qui vraiment m'est apparu aujourd'hui, à mesure qu'on roulait en voiture à la même vitesse qu'un nuage, j'ai trouvé ça magnifique. On parle souvent de la beauté terrible de la nature, parce qu'elle peut aussi bien devenir une libération qu'un enfermement. Beaucoup de films, sans avoir l'air d'y toucher, explorent cette sensation. Et ça, ils le font notamment par le cadrage. Des cadrages qui enferment, qui écrasent leurs personnages. Parce qu'un cadrage, ce n'est jamais innocent. Tenez, selon que je cadre ce plan comme ça ou comme ça, c'est pas du tout la même limonade. Là, clairement, on étouffe. On est isolé dans un coin par les reliefs et par la caméra. Mais prenons les frères Larrieux, par exemple, quand ils ont tourné leur thriller « L'amour est un crime parfait » dans la région de Lausanne. Cette carte, ils l'ont jouée, à fond. Il suffit de regarder l'introduction du film, avec cette voiture qui est constamment dominée par les ténèbres, par la nature et par le bord du cadre. Même après deux jours, les personnages restent encerclés, dans des plans qui respirent très peu. Ou prenons même Youth, j'y reviens. La nature est magnifique, oui. Mais si Paolo Sorrentino filme aussi souvent ses personnages en écrasant les perspectives, pour qu'ils soient littéralement ensevelis par ce qui les entoure, c'est dans un but précis. Ils sont cernés, mis à nu. Fuck you. Et bon, là je ne prends que des exemples évidents, mais regardez la plupart des extraits depuis le début de l'épisode. Regardez-les en faisant attention à cette omniprésence des hauteurs. Même dans des films à la mise en scène aussi classique qu'au Service Secret de Sa Majesté, qui a été tourné en très grande partie au sommet du Schilhorn dans le canton de Berne, et Dieu sait qu'en haut, ils aiment le rappeler, eh bien on sent que les montagnes prennent 007 au piège. Ils se retrouvent dans le QG du bad guy Blofeld, et malgré les froufrous, les jabots improbables et les kitscheries bon enfant, l'horizon est littéralement bouché. J'ai
J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, on passait dans les coulisses d'un théâtre bien huilé. Je soupçonnais pas cette double lecture de la Suisse, en fait, ce côté légèrement, vraiment inquiétante étrangeté, ce côté de quelque chose de trop calme. Et puis, on a eu un double rainbow, all the way. Double rainbow. Double rainbow, my God. Bon, les gars, là, on va à Gstaad ou pas, là? J'ai un frère à tuer, moi. Attendez, c'est pas en Angleterre, à Gstaad? Putain. Au fil de nos pérégrinations, on s'est finalement rendu compte que la thématique qui traverse beaucoup de films tournés en Suisse, en fait, elle est assez limpide. Ce qui se cache sous la surface. Un pays qui rappelle un peu ce que, dans un tout autre registre, les banlieues américaines évoquent à Tim Burton. Et là, tout s'éclaire. Thriller, films d'espionnage, films fantastiques ou même films sociaux, des œuvres où se jouent des conflits cachés au grand public, où il faut toujours aller un peu plus loin pour atteindre une forme de vérité. En toute logique, les villes suisses restent un terrain de jeu privilégié pour les thrillers politiques. Notamment Genève, où Matt Damon fait coucou dans Syriana. Mais aussi et surtout, Zurich, nid d'espions. Zurich, quartier des affaires, samedi 26 septembre, 12h51. Ça fait un peu cliché, mais je pense que dans l'inconscient collectif et dans pas mal de films, là où dans la campagne on avait plus ce côté cure thermale, apparence calme, okidor, trompeuse, là on est vraiment dans la ville d'affaires. On sent qu'il y a des banques à tous les coins de rue, des sièges de société. En toute logique aussi, quand il filme Phenomena, Argento joue énormément sur la blancheur, une blancheur potentiellement pervertie, comme un écho à celle des paysages suisses. Et Jennifer Connelly arrive là-dedans et va pervertir, ou en tout cas par sa nature va mettre à mal ce calme centenaire en fait. Pervertir par son innocence. Exactement, ça c'est bon ça. L'innocence et les ténèbres, forcément les deux facettes d'une même pièce. Et du coup, quand David Fincher vient aussi tourner la fin de Millennium à Zurich, une ville qu'il filme assez proche du ressenti qu'on peut y avoir, mais à laquelle il insuffle toute une froideur bleutée tout en clair-obscur, je suis presque frustré qu'il n'y reste pas plus. Parce que Fincher et ce côté okidor de la Suisse, bah, c'est assez ton sur ton, du genre quasi-fusionnel. En fait, en quelques images, cette froideur de ville en fait, où tu arrives en voiture, tu es dans les escaliers, tu as des reflets, des gens qui passent partout. Enfin, il arrive très bien à traduire, je trouve, ce côté ville d'affaires. Quoi. Et ça va bien avec la froideur apparente de ces plans qui cachent toujours des choses. Et pour le coup, c'est vraiment Rooney Mara qui est déguisée en blonde, très clean, etc. Alors qu'on sait qu'elle est couverte de tatouages et de piercings. Ça joue très bien sur l'émotion qu'il essaie de créer. Yes, that looks correct. En arpentant la Suisse, on découvre un pays visuellement homogène pendant une bonne partie du voyage, assez proche de ce qu'on imaginait. Et soudain, d'incroyables paysages lunaires, pierreux, cachant des bunkers secrets, des cols fantomatiques, un carburant incroyable pour l'imagination, dont le potentiel au cinéma a été à peine effleuré. C'est comme s'il y avait eu un verso à la carte postale, tu vois, et que vraiment quelque chose de... sur une autre planète, une exoplanète, quoi, quelque chose qui serait assez proche de nous, mais suffisamment différent pour qu'on se sente ailleurs ou étranger à ce lieu, quoi. C'est quelque chose qui m'a frappé notamment en visitant le sommet de Schilhorn. Parce que forcément, pour un James Bond, c'est un cadre idéal. Mais ça pourrait être aussi tellement plus. En tout cas, on voit vraiment pourquoi la production voulait tourner ici. Il y a tout en termes d'atmosphère. T'as la face là-bas où vraiment t'as des espèces de murailles de montagne qui donnent ce sentiment d'enfermement. Et là, t'as ce paysage accidenté avec ces langues de brume qui viennent chatouiller les hauts. C'est vraiment beau. Je trouve que le film, il rend pas forcément justice, en fait. Il y a un côté très très ambiancé. Personnellement, ça me donne envie de filmer des choses qui sont un peu plus fantastiques. La Suisse met parfois, elle aussi, en avant cette belle étrangeté. Comme avec la récente série fantastique Anomalia, par exemple. Mais si je devais choisir un film très proche du ressenti qu'on a eu en parcourant le pays, je dirais peut-être... Sils Maria d'Olivia Sayas, sorti en 2014. L'histoire de Maria, une comédienne qui va s'isoler dans les Alpes suisses avec son assistante pour répéter un rôle qu'elle devra tenir face à une star montante beaucoup plus jeune. Et c'est d'ailleurs assez amusant de constater à quel point Sils Maria partage énormément de points communs avec Youth. Sorti à peine un an d'intervalle, il parle du vieillissement, des doutes, de l'industrie du cinéma et des paysages suisses comme miroir des personnages. Ils vont même jusqu'à avoir été filmés dans le même canton, celui des Grisons. Ça s'invente pas. Là, la Suisse a ce côté suffisamment page blanche pour te laisser projeter dessus, imprimer ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, qui est finalement génial dans ce pays, c'est qu'il est suffisamment innocent en apparence pour que tu puisses projeter dedans tes angoisses, en fait.
Ça qui est génial, c'est que ça n'a pas la lourdeur d'un lieu qui te dit « je fais peur ». En visitant tous ces lieux de tournage, on se rend compte qu'à quelques exceptions près, comme Youth donc, ou ce plan de Phénoména, qui appuie la sensation d'isolement de l'héroïne au bazooka, les cinéastes font plutôt corps avec la Suisse telle qu'elle est. Très peu de focales cheloues qui distordent l'espace, très peu de lumière trafiquée, juste ce que l'endroit dégage et une caméra habilement placée. Point. Comme quoi, ces lieux ont beau avoir l'air insaisissables, ils inspirent quelque chose de bizarrement cohérent. Avec Sils Maria, Assayas nous parle en filigrane d'un phénomène naturel rare, le serpent de Malora, une bande de nuages gigantesques qui sinue entre les parois rocheuses en automne. Et là, le paysage devient littéralement le cœur du film. Ce serpent de brume va lui insuffler une dimension quasi fantastique, une présence invisible mais écrasante, ce que Maria cherche et refoule en elle, loin sous la surface. Plusieurs fois en fait, dans cette Suisse remplie de nuages, de clair-obscur et de changements d'ambiance, presque de température visuelle en fait, j'ai beaucoup pensé à Friedrich en fait pendant ce voyage. Et même quand il suffisait d'être debout devant l'immensité pour penser aux voyageurs contemplant une mer de nuages, ce truc où t'es mal et en même temps si tu dépasses cet état de mal-être ou de malaise, tu embrasses vraiment ce que ça a à t'offrir en fait. Un paysage, ça dit quelque chose. En cherchant un lieu, en saisissant son atmosphère profonde, c'est une bonne partie du récit et de la mise en scène qui se révèle d'elle-même. Ce qu'on a retrouvé ici en fait, c'est la troisième dimension des paysages de cinéma, celle de leurs recoins les plus inattendus, cachés à la vue de tous. Tu es actuellement en train de me liquéfier, François. Je me suis perdu dans tes mains. Et moi dans tes yeux, François. Au revoir, Jade. Et là, il y a une mine.